Mercredi 12 décembre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la Kaboul capable poter pour. Troisième sortie téléjournal pour semaine-ci là. Mais principal point capable pour faire essentiel les journal là pour matin. Gouvernement a déposé mardi 11 décembre là, projet loi finance 2018-2019 là, dans la Chambre des députés et dans le Sénat République là. D'après le ministre économie et finance là, Ronald Décembre, projet loi finance là évalué à 72,8 milliards gouttes. Ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, en tête collée avec quelques partenaires comme BID, USAID et l'Union européenne, organisé mardi 11 décembre, une journée porte ouverte sur les statistiques produits agricoles dans le pays. Activité ça a déroulé sous thème des statistiques pour la diversité de l'agriculture. Centre facilitation et investissement CFI dans tête coulée à Chambre commerce et industrie d'Haïti lancé officiellement lundi 10 décembre passé à Pétionville deux plateformes électroniques qui c'est Haïti Services Providers et Export AD pour faire promotion pour produits et services entreprises haïtiennes. Et puis à l'échelle internationale, 3 personnes mourir et 13 autres blessés parmi 8 blessés graves. C'est dernier bilan préfectif dans la région SP. La France mettait dehors matin suite à un acte terroriste dans le célèbre marché Noël de Strasbourg qui passait hier soir. C'est pour ça qu'on pile l'autre cap du professeur. C'est le journal là pour matin. On a pas vite arrêté de chercher nuit là. On a pas tourné quelques secondes pour développement. Pour ça qu'on pile l'autre encore. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas démarré avec information pour nous faire connaître le président sénat, sénateur Joseph Lambert, confirmé gouvernement déposé projet de loi financière 2018-2019 là dans le Sénat République là. Sénateur Sud-Est là souhaité projet de loi financière capable de résoudre un ensemble de problèmes population à faire face. N'a pas vite suivi un bout d'intervention à micro fait bien confident. Comme le veut la permission, bien du moins cette procédure. Eh bien, le budget a supposé d'abord non seulement déposé, voté par la Chambre des députés, ensuite transmis au Sénat de la République qui lui-même, ou bien capable d'adopter dans le même terme, ou bien produit des modifications là-dedans. Je ne veux dire, nous pas dans ce stade-là, nous dans ce stade remise officielle, document budget, que le ministre lui-même, en peu de mots, capable plus ou moins de dire nous qui sa budget ça est. Qui domine notre budget et qui l'autre élément que l'estimé qui est nécessaire, que l'on a partagé avec nous-mêmes, la presse, le grand public, la population haïtienne, là, qui est en pile attente et qui, à la fois le 6 juillet, le 7 juillet, eh bien, exprimé certaines préoccupations et qui commençait, et ça continue à préoccuper toujours. Et je vous dis, à travers le budget, nous avons besoin qui ça concrètement. Budget ça a porté pour améliorer la situation peuple haïtien et répondre en partie à une série de revendications. Toujours dans le même dossier-ci, le gouvernement a déposé pendant la journée mardi 11 décembre le projet de loi finance 2018-2019 là, dans la Chambre des députés, président de la Chambre des députés, Gary Baudot, qui a recevoir un document et tout transmettre à la commission finance de la Chambre des députés, qui promet pour analyser le texte là, dans environ 2 semaines pour présenter le rapport à l'Assemblée. Nous extrait dans le micro, fait un confident avec Moïse Ulbrich. Nous connaissons des manques à gagner. Et dans le dernier budget qui est déposé à 19 milliards de gouttes par rapport à des prévisions qui sont faites pour augmenter le prix et carburant dans le pays. Nous comprenons comment ça a été fini. Donc nous-mêmes, c'est une initiative que nous n'avons pas supporté. Donc le gouvernement est obligé de rétracter. Donc nous venons avec un document, nous espérons, parce que nous beaucoup elle, qui peut répondre à la préoccupation des haïtiens. Parce que nous vivons dans un moment extrêmement difficile. Côté, nous n'avons pas qu'à joindre les deux bouts. Nous n'avons pas qu'à payer l'école, nous n'avons pas qu'à répondre à besoin, nous n'avons pas qu'à pouvoir d'achat. Donc, nous espérons que le budget s'agrine déposé dans le Parlement. Ce sera un budget qui prend en charge les différentes préoccupations de la population. Tout de suite, nous allons mettre nos travail. Le premier acte que nous allons poser, c'est écrit tout ministère, tout monde, tout secteur qui a gagné pour avec le budget, ça, pour nous tendre, pour nous prendre doléances. Et nous allons regarder tout dans comme nous te mettons à disposition et ministère ou bien d'acadou et organisme d'état qui te gagne pour faire dépenser regarder comment ils ont dépensé comme ça.
Donc nous clés sur ça, si tu as des mauvaises gestions qui étaient faites dans des ministères, dans des institutions de l'État, donc au niveau commission, nous sommes très stricts sur la question ça pour nous garder si nous sommes bien dépensé ou bien mal dépensé l'argent, peuple haïtien. Rapport ça, je pense qu'avec la commission, nous allons mettre un travail d'ici à 2 semaines et peut-être plus pour nous voir si rapport ça qu'après. Sous moi par le ministre économie et finance Ronald Décembre fait qu'on a projet loi finance évalué à 172.8 milliards gourdes, 114 milliards c'est recettes domestiques, 58 milliards c'est financement international avec don un peu vite au suivre. Nous tablons là son budget de 172.8 milliards de gourdes enveloppe globale là, mais on a dit tout que par rapport à budget 18-19 qui était déposé là, c'est une carrière le budget initial. Et les recettes qui étaient, est-ce que la donne était aux alentours de 124 milliards de gouttes? Et suite à l'incapacité pour nous percevoir 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières, les ressources viennent descendre à 104 milliards de gouttes. Mais je vais demander à l'administration fiscale, toi les DGI, des efforts supplémentaires et puis d'autres mesures si nous prenons dans le cadre de la financement, et bien nous sommes arrivés à faire passer. Ressources, ça a eu de 104 à 114 milliards de gouttes. Dans 114 milliards de gouttes là, il y a 15% la dernière qui finançait exclusivement dépenses d'investissement. Ça c'est effort national pour financer dépenses d'investissement. Mais il est vrai aussi que on bonne ressources qui la dernière, ressources, par exemple, qui liées à certains bailleurs, à des partenaires techniques et financiers, par exemple, le cas de la BID, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc. Aux bonnes ressources qu'il a données, qui concernaient aide au projet, tout, qui a ajouté la dette. Ce qui fait que, je dis à là, nous avons un budget qui est déposé, qui remet aux alentours de 172 milliards, dont 110 milliards de gouttes de la dette, c'est fonctionnement, et 63 milliards qui dépensent d'investissement. Budget à son budget qui a fort, qui a dominante sociale, et ça ne veut pas dire que l'autre secteur n'est pas pour un compte, non. Non, c'est la dominante sociale parce que et nous pensons que le budget ça, son budget qui doit adresser à la population les plus vulnérables. Et c'est ça qui fait que l'on parle de dominante sociale là, il y a deux volets. Il y a un volet de d'infrastructure sociale et puis un volet de d'apaisement social. Donc c'est ça qui fait que nous pensons que si nous gardons dans le budget la santé publique, budget et éducation nationale, si nous regardons dans le budget ministère des affaires sociales, et de manière précise, et pourcentage d'ajustement, pourcentage d'augmentation qui vient dans le budget ça, par rapport à budget précédent. Par exemple, si on prend le cas du budget éducation nationale, il représentait 12,4% d'augmentation par rapport à budget avant. Si on prend le budget santé publique, par exemple, il représente près de 7 ou 8.6% de par rapport à budget avant, il subit une augmentation assez importante par rapport à budget avant. Et c'est comme ça qu'on a constaté que on bande dépenses en dans budget dans deux commissaires qui déposé qui gagne dominante fiscale sociale. Là on prend par exemple un secteur comme l'agriculture, un secteur comme le TPTC, il y a des travaux à haute structure de cap là dedans. Donc tout ça c'est des actions qui gagnent implication sociale. Ministre de planification et coopération externe Jean-Claude Pierre a présenté mardi 11 décembre bilan viré en l'effet semaine passée à Washington dans pays les États-Unis. Ministre a expliqué mission ça c'était occasion pour lui pour être capable de rencontrer représentants diverses institutions internationales et puis parler sur divers projets qu'a exécuté qui gain pour la gestion déchets solides de l'eau avec assainissement. On a fait vite suivi un bout de l'intervention de micro Rachel c'est fort. On a rencontré au sein de la ville des personnalités et aussi on a rencontré notre représentant sortant. Il s'agit de M. Harry Adam qui va bientôt être remplacé par quelqu'un d'autre et qui entrera en fonction, je crois, au début de l'année à venir, de 2019. On a parlé avec M. Adam, on a fait le point sur pas mal de choses, sur pas mal de projets en cours. Et il nous a été, donc on a parlé des 2 milliards de dollars qui a été mis à disposition pour Haïti
et au lendemain du séisme de 2010. Et donc de ces 2 milliards de dollars, enfin il faut dire que cette somme a été mise à la disposition d'Haïti, mais devait être exécutée sur, le décaissement de cette somme devait être exécuté sur 10 ans, à partir de 2010. De 2010 à 2020, ça ferait 10 ans. Et de cette somme, il reste 423 millions. Et ces 423 millions sont alloués à des projets. À des projets dont deux sont approuvés, sont déjà approuvés. Il s'agit d'un projet de gestion de déchets solides dans le nord du pays, à hauteur de 33,5 millions de dollars. Et également un programme de transport qui sera financé à hauteur de 225 millions de dollars. Et puis il y a deux autres projets dont l'un porte sur les compétences des jeunes. Donc il y a un montant de 40 millions de dollars qui sera alloué à ce projet. Et puis il y a un autre projet qui est un programme qui consiste en un programme, en l'exécution d'un programme d'eau et d'assainissement. Et ce projet sera exécuté dans le nord du pays et ce projet sera financé à hauteur de 225 millions de dollars. Il faut dire que cette somme a été approuvée en notre présence grâce à nos efforts sur place. Dans le cadre de Vigéronsa, ministère de planification et coopération externe, Dr Jean-Claude Pierre fait connaître divers officiels, féliciter le président de la République là pour travailler la fait pour améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Toujours d'après l'explication du ministre, officiel souhaite gagner plus de communication sur la réalisation du travail pouvant en place. Dans la période de suivre, un bout de l'intervention de Dr Jean-Claude Pierre. Et le président est salué pour quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, est salué tant au niveau des officiels du Congrès que de ceux du département d'État que j'ai rencontré. Il est salué comme quelqu'un qui fait un travail exceptionnel en termes de renforcement des acquis de la démocratie, en termes également de renforcement de l'État de droit. Et il faut dire aussi que les initiatives du président de la République qui visent à encourager, qui visent à œuvrer et dans le sens du développement économique et social, et notamment au travers de la caravane, renforcement des infrastructures, construction de nouvelles infrastructures, soit routières, et la question de l'électrification du pays, et bien tout ceci a été salué par nos interlocuteurs à Washington et, je le répète, et que ce soit au niveau du département d'État et qu'au niveau du Congrès américain et aussi au niveau du Sénat américain. Ça, il importe de le souligner. Et toutefois, certains officiels, et dont notamment un membre du Congrès, a fait remarquer que il y a quand même un manque de communication de la part du gouvernement haïtien, communication qui porterait sur les nombreuses réalisations du pouvoir en place et de M. le Président de la République et aussi du Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc ceci nous a été dit, mais textuellement, ouvertement, et je peux même vous dire la phrase qui a été prononcée, « Votre pays est isolé », c'était le mot de l'officiel en question. Il y a un manque flagrant de communication entre nous et c'est ce qui est à la base de beaucoup d'incompréhensions. Alors c'est ce à quoi il nous faut travailler. Heureusement que cela a été dit et donc c'est plus un inconnu maintenant, c'est un élément connu et c'est un déficit, il s'agit d'un déficit de communication entre nous et notre grand partenaire du Nord, je parle des États-Unis d'Amérique, au travers de ces officiels que j'ai rencontrés. Donc c'est quelque chose qu'il importe de corriger et dans pas longtemps, je veux dire tout de suite. Centre facilitation avec investissement CFI dans tête collée avec Chambre commerce et industrie d'Haïti
C'est officiellement lundi 10 décembre dans Pétionville, deux plateformes électroniques, c'est IT Service Providers avec Export ID. Plateforme électronique, ça y est, qui est disponible sur Internet, doit faire promotion, produit avec service entreprise haïtienne, bon côté acheteur avec investisseur qui est capable d'intéresser à propos d'intimité à faire en Haïti. Plateforme IT Service Providers avec Export ID réalisée grâce à support technique programme Nations Unies pour développement et puis banque support banque interaméricaine pour développement. On va vite suivre un compte rendu avec Roosevelt Desrosiers et puis Eddie Sinelius. Haiti Service Providers avec Export Haiti gain pour objectif mettre en valeur fournisseurs produits et services locaux des plateformes électroniques ça yo a bail plus opportunité à secteur affaires pour connecter là avec marché national et international là. D'après directrice générale Centre Facilitation et Investissement, c'est ça Jacques Antoine. Dans ce sens-là, Haiti Service Providers et Export Haiti doivent bailler dans l'économie pays. Le CFI se fait un avocat pour l'utilisation de la technologie afin de parvenir à un meilleur niveau de collaboration à la fois entre le secteur public et le secteur privé, mais aussi les institutions publiques et les institutions privées entre elles. Le portail des fournisseurs de services haïtiens, HSP, centralise des informations sur les entreprises fournissant des services en Haïti. Ces entreprises, établies sur tout le territoire national, ont été certifiées et évaluées suivant une méthodologie, puis listées sur cette plateforme afin de faciliter aux investisseurs établis et potentiels la recherche de partenaires efficaces pour leurs affaires. La plateforme est munie d'un système de rating ou score qui permet une auto-évaluation des différents prestataires de services et entend contribuer à dynamiser la compétitivité de l'écosystème des affaires. Haiti Service Providers gagne la donne plusieurs fournisseurs de services haïtiens. Plateforme électronique ça rassemble plusieurs entreprises haïtiennes dans base de données presque 600 fournisseurs haïtiens qui fonctionnent comme ça doit sur tout le territoire national là, d'après directrice exécutive CCIH là, Kim Sassine. Chaque entreprise qui présente sur Haiti Service Providers joue une visite et puis passe évaluation dans mes spécialistes CCIH, CFI, NUD et Claude Patneyo avant d'arriver à accepter. Export Haiti lui-même, c'est un catalogue exportateur haïtien. Il est regroupé une liste de produits haïtiens qui sont capables d'aller vendre dans un pays étranger selon les besoins du marché international. Cette plateforme sera aussi intégrée au sein des différents réseaux et plateformes qui existent déjà au sein des 14 institutions et sera encore promue au sein des ambassades étrangers en Haïti et aussi des ambassades haïtiennes à l'étranger, justement pour ouvrir cet outil-là à la communauté internationale que nous visons particulièrement. La plateforme ne sert pas seulement à attirer des investisseurs, elle permet aussi d'attirer des collaborateurs, des partners, des joint ventures, des acheteurs, des importateurs, des exportateurs. Si vous regardez par exemple, sous chaque profil de fournisseur, il existe tous des sous-onglets justement que une fois souligné, highlighted, qui peuvent dire justement ce dont ce fournisseur cherche. Donc, par exemple, ici, ce fournisseur cherche de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs. Mais il y a d'autres options qui cherchent des investissements, des exportateurs ou un autre distributeur. Contrairement à HSP, la plateforme Export Haiti ne bénéficie pas d'une évaluation par des consultants. Ce qui veut dire que le contenu de cette plateforme au niveau des produits et des exportateurs est entièrement la responsabilité des producteurs eux-mêmes. C'est pour ça que vous voyez parfois une différence au niveau entre différents producteurs, entre différents produits, parce que ceci dépend de la qualité des informations et par exemple, des résolutions des photos utilisées. Haiti Service Providers, avec Export Haiti, disponible en français, anglais et espagnol pour tout le monde sur Internet dans l'adresse électronique SAYO, www.haitiserviceproviders.com et www.exporthaiti.online. Deux plateformes électroniques connectées avec une des plus grosses plateformes dans le monde, qui c'est Connect America. Cette information dans le journal du ministère de l'Agriculture et Ressources Naturelles et du Développement Rural, dans cette collègue avec quelques partenaires internationaux, le TACU, BID, BU, SAID et l'Union européenne, organisé mardi 11 décembre, une journée porte l'ouvrir sur les statistiques produits agricoles dans le pays. L'activité s'est déroulée sous thème des statistiques pour la diversité de l'agriculture. Lionel Jean-Louis avec Michel Joseph a présenté un compte rendu à nous suivre.
Journée porte ouverte ça, c'est l'occasion pour le ministère de l'Agriculture et partenaires partager et puis discuter sur le prix et la qualité des produits agricoles dans le pays. Le ministre de l'Agriculture, Jobin Angan, qui était ouvert l'activité, a déclaré que les statistiques agricoles sont base pour définir la politique agricole. Le ministre Angan continue pour l'expliquer. Démarche ça pour permettre au ministère de redéfinir les stratégies pendant de saluer divers progrès qui fait dans le secteur. Le ministère doit pouvoir être en mesure de mieux définir les politiques et stratégies adéquates et aussi de pouvoir faire le suivi et l'évaluation de ces politiques et stratégies. Je tiens à signaler que ces avancées considérables ont été constatées et beaucoup d'efforts ont été consentis. Certes, il reste beaucoup à faire en matière de production de données, de statistiques, si l'on se réfère à nos missions, et surtout en matière de sensibilisation pour la culture, la pratique de la statistique au sein même du ministère. C'est pourquoi cette journée porte ouverte sur les statistiques agricoles revêt une importance capitale pour le ministère, car elle traduit non seulement sa volonté à répondre à l'une de ses principales attributions, qui est de générer des informations fiables et pertinentes sur le secteur agricole, mais aussi de développer la culture de la statistique au sein du secteur agricole. Directeur USAID, dans le pays d'Haïti, je n'ai pas reconnaître le rôle et l'importance données et statistiques qui ont gagné pour le développement du secteur agricole dans le pays d'Haïti. Je n'ai pas expliqué le secteur agricole haïtien a fait face avec un plus gros défi. Pendant les renouvelés appui USAID pour continuer à supporter le secteur agricole là. L'agriculture haïtienne fait face à de nombreux défis, incluant la baisse des investissements dans la recherche et les technologies agricoles, l'insuffisance de politiques publiques adéquates, l'insuffisance du crédit agricole, le choc climatique répété et l'insuffisance des infrastructures rurales. L'USAID s'est joint au ministère de l'Agriculture au cours des dernières décennies pour supporter les agriculteurs et promouvoir la croissance économique en milieu rural. Yolande Bon, ambassadeur Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Deger, fait connaître l'Union européenne était déterminée pour continuer à aider l'État haïtien à mettre en place une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les gens qui vivent vulnérables. Cette journée nous fournit donc l'occasion de nous familiariser avec l'unité statistique agricole et informatique du ministère. Cette unité, mesdames et messieurs, est importante, car elle est responsable de la production et de l'analyse des statistiques agricoles en Haïti, en lien avec l'ensemble des autres services de l'État, tels que la CNSA ou l'Institut haïtien de la statistique. Pour un système d'alerte précoce efficace, il faut impérativement que l'ensemble des informations collectées soient analysées conjointement. L'Union européenne reste plus que jamais déterminée à aider l'État haïtien à mettre en place une sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables pour le développement durable et inclusif du pays. Le ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural mettait en place depuis l'année 2011 unité statistique agricole n'a objectif pour collecter informations sur prix produits agricoles. Unité ça joint chaque jour prix produits agricoles sur 35 marchés dans 10 départements en dans pays. La information dans le journal La Magistrat commune Carrefour Jude Edouard Pierre accompagné député Jacques Beauville visiter travail construction locale tribunal Carrefour. Lundi 10 décembre passé, autorité locale a profité pour parler sous divers travaux qui gagnent pour infrastructures qui ont réalisé en dans commune Carrefour. Donc, construction plusieurs routes et puis profiter, remercier le gouvernement pour le travail. On a fait vite suivre. Dans la population Carrefour, dans la justice Carrefour, nous voulons remercier le gouvernement, remercier le président. En particulier, qui comprend la nécessité pour Carrefour de bénéficier d'un ouvrage comme ça. Et juger par le travail dans de meilleures conditions. Et nous espérons que la justice va distribuer de manière régulière et que chaque monde va jouir de ça.
n'est pas seulement l'ouvrage Zagin qui a fait ce café aujourd'hui. Nous avons la route de Charpentier que le président, à travers un fonds, dont ça, que Taïwan fait l'État haïtien cadeau, qui va l'entamer dans la semaine. Nous avons la route Canasut, nous avons la route Paloma, nous avons la route page 26 qui finit, nous avons la page 28 qui va l'entamer. Nous avons la route 14, nous avons justement la rue Larac, nous avons vraiment c'est une ville aujourd'hui qui est en chantier. Nous voulons remercier l'État, remercier le gouvernement, remercier le président pour. Intérêt, je dis à ce Carrefour, et nous demandons de participation à ce Carrefour, en particulier depuis le monde charpentier qui a souffert en pile à l'impasse des flins, mais il y a une pile maison qui va l'impacter. Nous demandons de aider nous parce que pas de l'argent pour l'expropriation. Mais loi 82 a bay autorité à ministère de PTC, à mairie, à l'État haïtien pour yo libéré en prison, gain en longueur régulière, sous pas sous lit, sous lit. Donc l'État caprend. Nous-mêmes, nous allons faire force avec la population. Hein. Vous classez pour la fête. Donc c'est un don de 15 millions de dollars américains qui fait à l'État ici. C'est le gouvernement Taïwan que nous remercions. Donc vous la fête au niveau charpentier. Nous demandons encore une fois participation au monde charpentier pour faire démolition. Pour nous assurer dans 3 mois, les premiers travaux faits. Et c'est la firme de construction HL Construction qui prend en charge de construction route charpentier. Municipalité, c'est capacité côté citoyen avec meilleur la gagner et puis mettre tête ensemble. En référence au week-end du citoyen. C'est une véritable corvée citoyenne. Hein? Donc qui rend nous vivre ensemble pour permettre nous développer ville là. Moi, étant député, je vais chercher l'argent pour me battre à c'est le maître d'ouvrage. Je vais chercher moyen à travers le budget national, création publique. Et nous avons gardé bien, preuve la grande. Nous disons bien avec nouvelle équipe ça. Magistrat du droit, moi-même. Après une journée, on a parlé de charpentier. Bientôt pour le construire. Par HL Construction Le Rouge. Nous avons parti de dons de Taïwan. Et reste comme ça, nous allons chercher la travers trésor pour nous faire finir. Nous avons une commune qui est en chantier. Là, regardez bien où est TOR 14 démarré. Côte Plaie 26, Côte Plaie 28, Paloma, Gaston Magdon, Canasuc. C'est pour la première fois dans l'histoire que ça existe, mon frère. Donc, moi, je me dis bien, on encourage l'équipe ça. Moi-même, c'est ça que fait moi-même, je vois bien. Bon côté, magistrat, j'ai des droits, à tout moment, bon côté. C'est parce que nous avons un engagement conjoint pour que Carrefour soit autrement. Représentant plusieurs partis politiques, parmi eux G50, consortium parti politique, MSD et PG18, des partis politiques qui sont en opposition pour faire une campagne, un mouvement, manifestation et affaire dans le pays. D'après responsable parti politique, ça y est, crasé, brisé, pape, mené un pays à aucun côté, ils ont invité politiciens, ça y est, rentrer dans le chemin de dialogue là, plutôt, ça va permettre à Haïti monter sur le développement. Jean-Tel Joseph, avec Asilus Joseph, yon après l'autre, président consortium à parti politique, à coordonnateur G50. Nous même nous dit, faut que nous trêve. Nous t'es qu'à choisir dans la rue, nous t'es qu'à choisir tout affronter, mais à qui ça s'appelle aboutir, parce que chaque fois nous faisons, c'est petit nous, c'est nous-mêmes qui payons les conséquences là, en nous prenant 6-7, qui valait moun qui perdit emploi, qui valait moun qui est dans le chômage. Qui ça Haïti bénéficier de ça? Parti politique et regroupement politique qui chita la jodia qui prend décision qui mande trêve en dans pays a pour suspendre écraser brisé et tout qui mande à tout parti politique qui te participer dans élection yo pour venir avec projet de société ou te gagner yo te dit te vle sauver pays a. Le demande de dialogue là, nous pas venir dialoguer pour dialoguer. Parce que pas premier dialogue qu'a fait. N'ap font dialogue côté toute structure politique a venu avec projet de société. J'ai qu'une annonce là ensemble, titre que nous parler dans actualité internationale, notamment dans pays la France, nous faut connaître 3 monde mourir, 13 autres blessés, parmi eux 8 blessés graves, ces derniers bilans préfectifs dans région S pays la France mettait dehors matin suite à exact théorie dans célèbre marché Noël Strasbourg là qui passait hier soir. C'est un jeune garçon 29 l'année radicalisé qui l'ouvre coup d'âme pendant 3 fois dans le marché Noël Strasbourg avec action ça a passé à
19h50 dans le pays la France. Voilà, c'est la journal arrivé dans bout tout et on peut gagner capable de joindre plus d'informations dans la prochaine édition journal qui va pour faire sur télévision. Mais avant nous aller dans le rappel ensemble point qui était fait essentiel pour matin mercredi. Gouvernement déposé mardi 11 décembre le projet de loi finance 2018-2019 là dans chambre député ak dans Sénat République là d'après ministre économie ak finance Ronald Décembre projet de loi finance si là évalué à 72.8 milliards gourdes. Ministère agriculture et sustentuel là qui développement rural dans tête collé ak partenaires tankou BID USAID ak Union européenne organisé on mardi 11 décembre une journée porte l'ouvrir sur les statistiques produits agricoles journée dans pays a activité si là déroulé en baptême des statistiques pour la diversité de l'agriculture. Et puis cette facilitation avec investissement CFI dans tête collé avec Chambre de commerce et industrie d'Haïti lancé officiellement lundi 10 décembre passé à Pétionville deux plateformes électroniques qui c'est Haïti Service Providers avec Exportedi pour faire promotion produits et services entreprises haïtiennes. Et puis à l'échelle internationale 3 monde mourir, 13 autres blessés parmi 8 blessés graves, c'est bilan dernier et c'est dernier bilan préfecture dans la région SP la France a mis des matin suite à un acte terroriste qui passait hier soir dans le célèbre marché Noël Strasbourg. Nous te contentons ensemble avec commentaire pour être capable de porter pour troisième sortie téléjournal pour ce lundi là. On a déjà souhaité tout le monde passer un bon lendemain mercredi et surtout on a pas vite rester branché chez nous pour capable de suivre la reste programmation.